Donc moi j'appelle Lionel Impio, je vais vous présenter Maliki, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est en 3 tomes, il y a 3 tomes et c'est fini. Donc ça raconte l'histoire de Maliki qui est une jeune adolescente de 13 ans, qui a une vie plutôt banale en quelque sorte. Elle a juste quelques différences physiques. Elle a les cheveux roses et les oreilles pointues. Elle aussi, une autre particularité qu'on apprend dès le début, bah, c'est qu'elle sert en elle une créature surnaturelle vie et lui donne quelques petits pouvoirs et interfère dans sa vie. Donc nous, on va suivre bah, son aventure, comment elle va faire pour essayer de se débarrasser de cette créature, comment elle va faire pour vivre au quotidien avec cette créature qui vit en elle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il y a beaucoup d'intrigues. On a toujours envie de lire la suite. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer après. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter pendant que je lisais. L'auteur, c'est Maliki, bah, justement. Il y a aussi d'autres livres. Il y a un blog qui est fait excessivement d'images et de petites histoires du quotidien qui se passent plus tard. Il y a aussi deux BD. Des BD qui racontent aussi des petits moments du quotidien qui peut se passer, quelques images. Donc maintenant j'ai laissé Cerise présenter son livre. Je vais vous présenter La Faucheuse de Neil Schusterman. C'est une trilogie qui va bientôt être adaptée au cinéma. J'ai beaucoup aimé ce livre, ça a été un gros coup de cœur. Cette saga est une dystopie où l'humanité a réussi à découvrir le secret de l'immortalité pour éviter la surpopulation de la Terre. Eh bien, il va y avoir des faucheurs qui vont tuer des gens, comme ça, avec un quota par mois. Et on va suivre deux adolescents qui vont devenir apprentis faucheurs et donc qui vont suivre la formation pour devenir des faucheurs. Sinon, je me suis beaucoup attachée aux personnages. J'en ai adoré certains, j'en ai détesté d'autres. C'était vraiment, on s'attache beaucoup à eux et ils sont très humains en fait, ils sont très bien décrits. L'univers est très bien construit. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur nous fasse réfléchir sans vraiment y penser à comment est-ce qu'on ferait si on était immortel et est-ce qu'on tuerait des gens pour éviter que la Terre soit complètement envahie d'humains ou alors est-ce qu'on essaierait de trouver d'autres solutions? Et est-ce que cette solution est la seule possible? J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Elsa Larguier, je vais vous présenter Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Dans ce livre, on découvre la vie quotidienne d'un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur. Et on découvre également la vie de ses patients, de ses proches et surtout de son fils, Lazare. C'est assez rassurant, même si ça peut paraître assez banal. En fait, on est vraiment dedans, on a vraiment envie de savoir tout ce qui se passe et tout ça. C'est rassurant, comme on a limite envie que Sauveur soit notre psychologue. Et c'est aussi intéressant parce que grâce aux différents patients, le livre il touche à plein de sujets comme la transidentité, l'homosexualité, le harcèlement et la famille. Il faut pas se fier à la couverture surtout. Elle donne pas trop envie de le lire, mais vous comprendrez pourquoi il y a un cochon d'Inde dessus. Voilà.